Thank you.
Très bien. Nous avons le point de rendez-vous, on vous le rappelle, encore passé sur internet. Alors tu vends quoi, ah, Céline? L'affaire est bonne. Ça, c'est la musique. Alors voilà, hein. Ça marche, ça? Oh non, non, pas vraiment. Moi, j'en m'en veux une. Jamais je me plains.
Hier, on m'a reproché d'avoir trop de monde à mon sens. Parce que moi, je pars du principe que ça fait du bien. Oui ? Des armes de vie avec ça. Mais nous on est prêts. On va partir à la table. La chanson de l'apéro à côté.
Demande de lui, donne-moi ses coordonnées qui viennent faire en sorte. Mon épée, ce qui est dangereux, c'est surtout l'épée. Bizarre. Le boc aussi est dangereux. Oui, je peux toujours te mettre un coup de boc dans la tronche, mais je te tuerai pas. Avec ça, je te tue. Voilà. Bon, on fait déjà les engagements. Après, on voit qu'on t'attaque ici. Alors, toi, tu peux attaquer ou tu peux utiliser l'autre option. Là, tu vois, voilà. On voit apparaître des dentelés. On voit apparaître des dentelés à partir du 14e siècle. Ça, bon, c'est des gantelés de tout temps. Mon petit ami Michael, il prend le dentelé particulier pour garder le maximum de l'eau. C'est bien dit, merci. Voilà. On prend, on soulève et trucs dessous. C'est que dans la folie histoire du monde, pardon, dans la folie histoire du monde, il y a le film de Mel Brooks. Oui. Et ben, comme... Faut que je la mette plus bas, ça marche pas. Mais là, ici. C'est entre là. Là, ça fait mal. Voilà. Après, on prend comme ça. Midi. Midi. Regarde ce que tu fais. On regarde ce qu'on fait. Et on vise. Et non, il faut que tu tires. Je t'en laisse encore une autre, ça te fera 4 essais. Ah ben, tu vas demander. Là, voilà. Tu es prête? Voilà, tu veux le faire ou tu veux le faire? Comme ça, comme ça. Bon, on n'a pas eu le temps à la deviser, chérie. Lève ton petit pouce, ça va tenir la. Je voulais un petit peu d'air supplémentaire. Merci beaucoup, moi. Oui, c'est les quoi? Pardon? Oui, le Mistral, oui, pas mal. Le soleil, on a une belle formule. Si vous voulez prendre le détail, je... Je peux
préparer la vidéo officielle du... On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci Claude. Alors, comment s'appellent les oiseaux? Galagan. Et Gordon. Alors, je voudrais qu'on applaudisse ces faucons parce que c'est eux qui travaillent. Les fauconniers ne seraient rien sans eux. Alors, bien sûr, ce n'est pas des faucons, parce que moi j'y connais rien. Ce sont des buses de Harris. Voilà. Allez, on laisse faire des fauconniers. Vous allez l'appeler là ? Et cela, il s'est posé sur la tête de la ville farcie, hein, si vous voulez.
Fais gaffe à la perruque, hein. On va partir avec. Quel est le... Galaga. Alors, afin de présenter nos artistes, car ce... Galaga, il s'est fait une belle gorge déjà. Il s'est fait une belle gorge déjà. Ah oui, il y a les... Et Gordon, la vice-présidente de la Porte des Étoiles. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas faire plus long, mais vous savez que cette année, le festival, il a pris une tournure espagnole. Il y a quelqu'un que je n'ai pas beaucoup connu, c'était le consul général d'Espagne de Marseille qui nous a quittés. Aussi, je voudrais vous demander pendant 30 secondes d'avoir une pensée pour lui et de faire 30 secondes de silence. Merci. Merci. Et je voudrais aussi remercier M. le chancelier et le consulat général de Marseille qui est présent avec nous ce soir, cet après-midi. Allez, applaudissez très fort. Je voudrais continuer par les remerciements auprès de la chanson catalane, Solange, la veux-toi, s'il te plaît. Gravement. Et nos amis qui sont venus de Barcelone et qui repartiront tout à l'heure, qui ont fait 1200 km pour venir nous voir. Petit village, levez-vous. Merci à vous. Appelez le micro à qui arrive à parler. Elle est pris par l'émotion, là, pas vous. Non, s'il te plaît. Alors simplement, je suis très heureuse de voir que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui. Cette fête, eh bien, grâce à vous, c'est très bien réussi. Alors je ne vais pas dire grâce à la municipalité, on le sait, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de travail de fait sur les Pays Mirabeau pour préparer ce festival. Tout le monde le prend comme un projet commun. Donc merci à tous, merci d'être là. Et puis on va continuer notre ouverture vers l'Europe. Merci beaucoup. Et je voudrais faire un petit clin d'œil aussi à la nouvelle directrice culturelle de la commune de Pellegrino, Émilie, qui est avec nous cet après-midi. Et maintenant, je vais laisser la place à nos amis Michel, qui vient de Castres, de Chenarlin. Donc, de suite, on va vous préparer, vous présenter les compagnies du Chenarlin. Le chêne ardent n'a pas de loi. Tremblez, vallée d'âme et bourgeois. Ah bah j'ai pas de micro, tout ce qu'on est avec moi, désolé. Ah.
pour un spectacle sous les Chanka entre femmes et loups. Nous vous attendons nombreux, évidemment. Merci beaucoup. À bientôt, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est des loups pour quel âge ? Donc, ce ne sont pas des vrais loups, ce sont des croisés. D'accord. Femme qui est sur Claude à 3 ans, Rita à 8 ans. Donc justement, nous ne travaillons pas avec des... On peut les applaudir à la porte des étoiles, s'il vous plaît, la section Lance. Allez, on les accompagne, on frappe les mains, allez. Thank you.
J'en ai un en peau d'âne. Ah oui, des d'âne, ouais. Ah oui, oui, comme on fait du compte. De ces masques-là, parce que moi je travaille avec des trucs depuis quelques années. Donc. C'est incroyable ça! Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ils se sont tous donné le mot pour me pourrir la soirée! Pas possible une musique pareille! Ça vous fout le bourdon! Dommage! Hein, quoi? Dommage! J'aime bien la musique! Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Ben, vous êtes drôle, vous! Je pourrais vous retourner la question! Gardez-la pour vous! J'étais bien peinard, au chaud dans mes pensées, et voilà que madame arrive, s'insinue dans mon monologue intérieur et prétend m'imposer des fréquences radio! Un comble! Oh là là! Philosophe, monsieur discours avec son moi. Excusez, je ne savais pas. Puisqu'il en est ainsi, je me replie sur le mien. Le vôtre. Sur mon moi, comme vous. Comme ça, ce ne sera pas un dialogue, ce sera deux monologues. Mais j'ai que faire de votre moi, d'un monologue ou de toute autre chose. Tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix. Oui, voilà. Foutez-moi la paix. Laissez-moi seul, seul. Vous savez, c'est comme vous voulez. Moi, je parlais comme ça, par habitude de personne civilisée. Oui, bien sûr. Vu l'heure qu'il est, le lieu choisi pour votre discussion, vous ne seriez pas par hasard une de ces putes occasionnelles qui cherchent à arrondir ses fins de mois. Ah, voilà bien des hommes. Une femme, c'est soit une pute, soit une bonniche. Bel exemple du mâle dans toute sa splendeur, menée uniquement par sa queue et par son petit foie qui rebondit dans son crâne vide. Non mais dis donc, je ne vous permets pas. Moi non plus. Non mais pour qui vous prenez-vous, espèce de goujat? Faire une remarque sur un air de musique nous condamnerait à être traité de pute. Mais cela relève de la médecine, vous savez. D'ailleurs, je pense qu'une thérapie à base d'électrochocs, agrémentée d'un traitement au bromure, ferait l'affaire. Si vous tenez tant à rester dans votre solitude, ben restez-y. Quant à moi, je suis ici pour lire ce livre. Et je le lirai, qu'il vous en déplaise ou non. Enfin, c'est insensé. J'étais là avant vous. Qu'est-ce que je disais? Nous y sommes. Le plus bas niveau de maternelle. J'étais là avant vous. Mais je n'ose pas dire que vous êtes trop con. Car vous allez répondre. C'est le premier qui le dit qu'il y est. Bonjour. Je cauchemarde. Oh, si, je vais me réveiller. C'est pas possible autrement. Je viens de me faire foutre à la porte par une femme avec qui je vivais depuis 6 ans. Et voilà que la première personne sur qui je tombe, il faut que ce soit une emmerdeuse qui vient se coller à 1 mètre de moi dans une gare déserte à 11h du soir. Savez-vous, ma petite dame, que le prochain train ne passe qu'à 5h demain matin? Je ne suis pas venue prendre un train.
faire quoi, alors? Ben, je l'ai déjà dit. Je suis ici pour lire. Lire. L-I-R-E. C'est français, ça. You understand? Ça arrive jusqu'au petit pois. Faites-lui la paix, petit pois, hein? Je ne vous ai rien demandé. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir maltraiter un pauvre homme désemparé qui essaie de se reconstruire. Allez, soyez franche. Dites-le-moi tout de suite. C'est elle qui vous envoie, hein? C'est elle. Elle veut parachever le supplice. Eh bien, vous pourrez lui dire que je survivrai. Ouais, je survivrai. Rien que pour imaginer son petit visage se triper de dépit et d'indignation, je survivrai. Il faudrait beau voir qu'on se laisse abattre par une femme, tiens. Je ne sais pas de qui vous parlez. Et puis ça suffit comme ça, hein? Là, ma respiration laissera-t-elle en paix le pauvre homme qui se reconstruit et qui survivra? Attendez, vous n'allez pas rester ici. Si, qui m'en empêcherait? Enfin, c'est insensé. Vous n'avez pas un mari qui vous attend, un enfant à bercer, un bon film à voir ou un dernier truc à préparer avant la nuit? Enfin, je ne sais pas, moi. Moi non plus. Je n'ai rien de tout ça. Vous avez autre chose sur votre liste? Venir dans une gare pour lire à 11h du soir, c'est de la perversion. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Ah non? Tenez, je pourrais vous agresser là tout de suite, vous plaquer au mur, vous arracher votre sac ou votre petite culotte. Allons, monsieur le frustré. Vous n'avez ni l'allure du voleur, ni le regard lubrique du violeur. C'est que je suis en sommeil. Mais faites gaffe si vous réveillez la bête. Même en sommeil, la bête est facile à repérer. Il vous manque cette espèce d'éclair que vous avez au fond des yeux. Et ces petits rides là dévoilent plus un romantique qu'un pervers. N'essayez pas de m'attendrir, vous, hein. Avec votre air de ne pas y toucher, vous êtes en train de m'entraîner dans la conversation pour vous incruster ici. Si je vous gêne, vous n'avez qu'à partir. Je ne vous retiens pas. J'ai un train à prendre, moi. Ah oui, certes, dans 6 heures. Et alors, l'ambiance de cette gare s'y est tout à fait à mon humeur, et votre présence m'exaspère, comment faut-il vous le dire? Vous n'avez rien à me dire. Je suis libre de m'installer, où bon me semble, sans votre permission. Là, vous êtes en train d'épuiser toute ma réserve de patience. Je vais bientôt entrer dans ma phase de grosse colère et vous allez voir que ça ne va pas rigoler. Vous allez utiliser la force. Ouais, puis merde. Restez si ça vous chante. Après tout, je m'en tamponne que vous soyez assise là. Mais au moins, faites-moi une faveur, une seule, bouclez-la. Avec qui voulez-vous que je parle? De plus, je sais très bien lire en silence, vous savez. À moins que le bruit des pages que l'on feuillette ne dérange votre seigneurie. Assez, assez. Maintenant, ça suffit. Et puis j'ai besoin de sommeil, moi. Alors bonsoir, madame. À jamais. Ah, au fait, quand vous sortirez, éteignez la lumière. Je n'ai plus peur du noir depuis longtemps. La seule chose qui m'effraie encore un peu, ce sont les sorcières comme vous. Adieu, madame. Dites, une dernière chose. Vous pourriez remettre de la musique? Ça meublera un peu. Non, parce qu'en fait, si vous dormez, je risque de trouver le temps long toute seule dans cette gare. Remarquez, je pourrais vous lire une page de mon livre pour meubler. Non? Bon, mais continuez à bouder. Je me suis sans doute trompée. Il n'y a pas l'ombre d'une poussière de chance que la littérature touche un tant soit peu votre âme déserte. Mon âme n'est pas déserte. Elle a été saccagée par une de vos congénères, ne vous en déplaise. Tiens, monsieur Manmuet revient à la vie. Ah oui, je reviens à la vie, certes. Mais ce que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir. Et qu'avez-vous donc à me dire de si désagréable? J'ai à vous dire... Tenez, voilà ce que j'ai à vous dire. D'abord que vous êtes une emmerdeuse. Vous répétez, mon cher. Que vous êtes une emmerdeuse et une sadique. J'étais seul, résigné à passer toute une nuit dans un endroit sans âme et à plonger avec délice dans une déprime bien méritée. Je sais quelle voie détournée du destin vous a conduit sur ma route. Mais on ne peut pas appeler ça de la chance. Cette nuit,
Vous me la volez, madame. Vous me la souillez. Vous n'avez donc aucun respect pour un amour mort. Vous n'avez donc aucun respect pour cette pauvre dépouille que vous piétinez de vos chaussures rose bonbon, là, que vous profanez de votre voix aiguë comme une scie sauteuse en marche. Oui, vous me la volez. Vous me la détruisez à jamais. Vous êtes un char d'assaut, madame. Une bombe atomique qui massacre son discernement. Vous devriez avoir honte. Eh ben, un char d'assaut, rien que ça. On va arrêter le spectacle. Je vous fais tourner à droite, s'il vous plaît. Allez. Allez. Ah, enfin, avant la musique. Pour ça, là ? Ah ouais. Donc cette tube, et même une fois allongé, en train de réfléchir de la journée, tout ça, comment on fait quand on s'est couché, l'oiseau criait tout le temps. Dès que la chouette croyait que je dormais, elle s'arrêtait de crier. Et j'étais allongé sur le lit. Ça quand même. Ah bon, donc certes, ils voient mieux, mais quelqu'un allongé par terre pour essayer de savoir s'il dort ou s'il dort pas, quand même, je sais pas, quand je dirais d'ici au palmier, bah quand même, c'est pas facile, je pense. Voilà. Donc je pense que les oiseaux, en fait, dès l'instant où vous laissez sur le gant, il y a, voilà, ils sentent si on est stressé, pas stressé, si on est dans cette condition, tout à fait. Qu'il connaît bien les oiseaux, vous savez exactement ce qui se passe dans la tête de l'autre personne. Vu son comportement, si cette personne est stressée, a des soucis, est angoissée, vous allez avoir un oiseau qui va calquer son attitude là-dessus. Et Opaline est très très proche de moi puisque je l'ai élevée. C'est un bébé que je ne pensais pas arriver à sauver. Quand elle est née, elle faisait 10 grammes à claquer et tout. Et moi, je disais, je suis têtue, vous savez, il y a moitié breton chez moi et l'autre côté, c'est pas mieux. Donc, j'ai dit, non, il n'y a pas question, je n'ai pas décidé ça. Je vais m'acharner là-dessus. J'ai bien fait, la preuve en est. Mais alors, du coup, cette petite chouette sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, pour laquelle je me suis relevée plusieurs fois la nuit. On ne vole pas quand même, ça se fait pas, on voit tout, ce genre de choses. En fait, c'est ce que je n'ai pas connu ici, tout le monde. Le passage, s'il vous plaît. Tu veux bien faire un plan à l'extérieur? En plus, il y a des enfants qui aiment. Il y a marqué combat, donc on n'est pas milieu. Je serais bien fait, hein. J'ai un vampire et une de la fête, des images un peu familiales, un peu conviviales pour montrer. Vous êtes d'accord? Oui, on va parler, ça va. Si, si, allez-y, non, pas de soucis. Restez naturel, je n'ai pas. Et maman,
Ah, ils sont bien. Là, c'est bien. Pour les enfants, c'est bien les petits. Hein. Voilà. Vous avez des petites mains, des adultes qui prennent les grands. Jamais l'arrêter.
rien terrienne. Vous allez voir, dans quelques secondes, Soon va enfin connaître son don. Le médaillon va faire effet. Chanka ! Ah, ça y est ! Oui ? Il y a un truc bizarre. Que se passe-t-il ? Zoltan. Oui ? Il parle. Zoltan te parle ? Eh bien, Soon, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'il s'agit du don que je t'ai transmis. Tu entends maintenant la parole des animaux. Tu peux transmettre leur message. Aujourd'hui, tu es la mémoire des loups. Ouais, ils sont d'accord. Génial, ça va être génial. Ouais, il est joli, ton bâton. Vous, hommes et femmes de cette planète riche, quelques secondes droit dans les yeux. Mais que je vous rassure, si quelqu'un doit ici éprouver de la crainte, c'est bien moi. Laissez en place et nos relations restent toujours critiques. Je ne sors plus au détour d'un rêve. Cela évoque la protection. C'est comme un ange gardien, un esprit guide qui accompagne celui ou celle qui l'a vu. En aucun cas, ce n'est un signe de conflit ou d'animosité. Que s'est-il passé? Quand avons-nous cessé de nous comprendre? Je souhaite de tout mon être devenir votre ami plutôt que votre ennemi. La survie de notre espèce est entre vos mains. Terrien, Terrien, vous venez d'assister à une représentation de Soon et Chanka entre femmes et loups. Les animaux que vous avez... Vous êtes magnifique. Non, c'est très dangereux.
Non, parce que t'as vu, tu as rasé la Moi, je préfère me la jouer petite joueuse. Ah non, ça roule. Merci. Par contre, j'ai une ceinture là, alors. Toi, c'est là qui te forme ton, tu vas pleurer. Non, on casse. Non, j'ai tellement pas sur les bon. Ah ouais. On avance au milieu comme on avait fait. Oui, oui, oui. Parlementation. Donc je vais commencer. Pas que les gens puissent se battre. S'il y a il y aura pire d'archerie comme ça s'est passé à l'époque. Et il est même. Oh, il y en a un qui est même. Archer!
Bravo. Super giù, cerchiamo di dare i colpi. J'espère que vous allez les applaudir. C'est une coupe qui vient d'Italie. Dalle place de la Torum. Gatto. 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 No, gatto. Gatto. Bravo. Grazie. Gatto. Ils sont chaleureux. Ils sont super sympas. Depuis 2 ans, ils sont parmi nous. Et donc, on a créé quand même un lien avec eux. Et je vous promets, c'est des gens qui sont super adorables. Applaudissez-les encore! Chez Mamadou, il a les yeux verts. Ça donne des résultats intéressants. Voilà, donc il n'est pas très grand, effectivement, il est beaucoup moins grand que le hibou. Attends, tu vas tourner de l'autre côté, parce que comme les plumes sont extrêmement souples chez les nocturnes, quand il y a du vent, il faut les faire voler vent de face, autrement ils ne décollent pas, parce qu'ils détestent avoir les plumes à la retrousse. Mamadou, trésor, il est parti, le goéland. Non, bah, enfin, pas vraiment. Puis lui, il le sait. Hein. Je peux vous dire, essayez de lui raconter une vanne. Oui, mais moi, il marche pas, lui. Hein. Tiens, je vais te la redonner, puis tu vas me ramener une des petites. Finalement, c'est les chouettes qui ont le plus envie de travailler en ce moment. Et vous avez avec un truc en avant, c'est la bouffe, allez-y. La cantine, le service est fait. C'est bien, ma chérie. Le 27 avril dernier, 2 bébés qui sont nés chez moi, que j'ai élevés depuis l'œuf, dont les parents ont volé en spectacle avant d'être en reproduction, sauf pour Lulu, dont les parents viennent de centre de soins. Allez, fascinée par la caméra, déjà une star. Hein. Mon bébé, réveille-toi, ma chérie. Voilà. Ah, ma petite mémère qui vole bien, là. Opaline, Opaline. Un petit dernier pour la route. Allez. Voilà. Voilà. Une petite souris. Et Lulu, je vais lui en donner. Voilà. Ah, ça, c'est la récompense. Alors, je vous rassure, je les capture individuellement une par une. Pratiques
mais également pour faire découvrir aux personnes qui ne sont pas présentes durant la première partie ce que nous pouvons faire également. Il faut savoir que la troupe Chevaux de Prestige a été créée en janvier 2000 par Billy et que depuis ce jour, elle se produit en France et à l'étranger. Et tout ça, pour votre plus grand plaisir. Alors j'espère que je peux compter sur votre participation. Et sans plus attendre, commençons le spectacle avec un exercice d'équilibre. Exercice d'équilibre debout sur deux chevaux qui permettait de ramener plusieurs chevaux de champ avant de partir au combat, mais également de repérer l'adversaire sur plusieurs kilomètres. Il s'agit de la pose hongroise. Oh. Oh mais... Alors ça,
et précision. You find love.
Ils sont là et ils ont besoin de puissance, ils ont besoin de vous. Et pour cela, il va falloir taper très fort et crier très très fort. Allez, les dépêches, faites du bruit. Ils sont tous là, ils sont venus pour votre grand plaisir. Il y a Chris. Ouais. Et maintenant, attention, attention. Voici notre ami Jean et sa mule enragée. Allez Jean, c'est à toi. Allez, c'est parti. Voilà. Ça vous a plu? Est-ce qu'on vous a roulé encore? Est-ce qu'on vous a roulé encore? Est-ce que vous voulez qu'on aille à fond? Est-ce qu'on voulait... Voilà, retournement. Qu'est-ce à faire? Remontez sur la scène. C'est symphonique tout ça. Allez, c'est parti. En tout cas là. Oui. Allez, Yoann, c'est à toi. Mets à terre, remontez sur la selle. Et notre ami Chris. Allez, Chris, c'est à toi. Les jeunes niveaux et les talentueux, voici Mr. John. La croix, à l'envers. Et notre ami Jean et sa mule. En avant Jean, c'est à toi, c'est parti. Allez, on les applaudit très fort, on a toujours la public des peines. On vous entend pas, allez, faites leur innovation. Allez, attention, quand il redémarre, qu'est-ce qui vous arrive? Vous trouvez que le public n'est pas assez chaud, n'est-ce pas? Mais si, ils sont chauds, vous êtes chauds, n'est-ce pas? On va voir ça, regarde bien. Oh, allez, c'est parti, monsieur Billy. Oui. Allez, donc là. Et c'est au tour de notre ami Chris. Allez Chris, c'est à toi. Retournement, tout à terre. Retournement à la selle. Applaudissez parce que c'est vraiment un exploit. Il ne faut ça que sur une longueur de 45 mètres. Ce qui n'est pas évident. Notre ami John.